Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cadre un peu spécial pour changer un petit peu les cadres habituels. Alors dans cette vidéo on va parler de stratégie d'évacuation, puisque d'avoir un sac d'évacuation d'e-bob, d'avoir des réserves pour 3 jours, d'avoir de quoi allumer un feu, d'avoir de quoi boire en 3 jours et d'avoir tout ce qu'il faut sur nous pour dormir. Et pour être simplement dans un confort habituel, entre guillemets, façon de parler, il faut savoir quand même savoir qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on doit évacuer, puisque si on évacue mais on ne sait pas où aller, on va errer dans la ville, on va errer, et puis on n'aura pas, manière d'être sécurisé dans un confort de sécurité. Alors il y a 3 choses pour cela. La première, c'est de savoir avant que ça pète si on a un endroit où rejoindre des gens. Donc on a plusieurs solutions. Soit vous avez une base de commande durable, vous allez là où vous allez vous rendre à pied, en vélo, en trottinette, aujourd'hui c'est un phénomène de mode et parfois je me demande si je vais pas en acheter une, histoire d'être aussi dans une préparation un petit peu, parce qu'un vélo, entre guillemets, on peut avoir des problèmes mécaniques, bien sans trottinette aussi, mais on peut peut-être avoir moins de problèmes mécaniques sur une trottinette que sur un vélo. Mais bon, on verra ça. Donc, on va devoir se rendre à une base automobile durable, si on en a une. Et si on n'en a pas, on fait quoi? Alors, l'idéal, ça serait d'avoir un lieu de rassemblement avec les proches à vous, qui sont dans le même état d'esprit, dans une préparation de matériel, dans une préparation psychologique, d'être prévoyant, tout simplement. Alors effectivement, si vous n'avez pas de gens autour de vous qui sont un petit peu dans cette préparation-là, ça va être un peu compliqué de les convaincre déjà. Et puis c'est pas au dernier moment qu'ils vont vous dire « Ah oui, mais effectivement, t'avais raison, maintenant je vois, mais finalement t'es pas un fou, je prépare mon sac et j'y arrive. » C'est pas à ce moment-là, ça va devoir se faire, d'autant plus que vous serez déjà prêt depuis un moment. Et vous n'allez pas mettre votre vie en danger parce que vous allez devoir attendre une personne non prévoyante qui s'est pris à la dernière minute. Mais néanmoins, vous pouvez aussi partir tout seul. Alors, soit vous avez une base durable, soit vous avez un lieu de rassemblement, et après, une fois là-bas, vous pouvez déterminer là où est-ce que vous allez aller. Ou soit ce lieu de rassemblement vous permet de rester quelques jours. Néanmoins, à voir aussi à cet endroit-là s'il est possible de rester et dans quelles conditions. Est-ce que ça va être assez grand pour accueillir le nombre de personnes prévues? Est-ce que c'est suffisamment éloigné de Borgen pour pouvoir vous protéger? Il y a différentes choses. Alors, voilà. Bon, j'étais au courant là, dans la vidéo. Bref. Alors, et puis, troisièmement, c'est bien beau d'avoir une zone, d'avoir un endroit où aller, mais comment y aller? À pied? Oui, mais par où? Le conseil que je peux vous donner, c'est maintenant qu'il est encore possible de pouvoir prendre sa voiture, de faire un chemin et d'être sans un stress, justement pas être en stress du fait de pouvoir aller là où on veut, comme on veut. Donc l'idée, ça serait, pendant vous pouvez, pendant qu'il est encore temps, soit de prendre votre voiture, ou de faire une petite simulation d'évacuation, et de prendre suffisamment de choses en connaissance, c'est-à-dire que vous allez devoir simuler plusieurs chemins pour vous rendre là où vous voulez vous rendre. Donc, en voiture, en trottinette, vélo, à pied,
il va falloir bon vous faire un plan d'évacuation. Maintenant, la voiture, c'est très risqué, puisque si vous la prenez très tard, si vous êtes près des axes de route, ben, ça va être très compliqué de pouvoir ne pas être dans les bouchons, ce qui est quasiment sûr, et puis la population, normalement, a un petit problème panique. Donc la voiture, c'est mort. Ensuite, à pied, bien sûr, à pied, ça va être l'un des meilleurs moyens, plus long, mais sûr. D'autant plus, à pied, on peut passer presque par là où on veut. Mais cela dit, il y aura quand même parfois des endroits où vous ne pouvez pas aller. Vous n'allez peut-être pas forcément vous mettre dans un ruisseau, dans une petite rivière comme ça pour aller pour traverser. Vous n'allez pas vous mettre en hypothermie juste pour traverser un petit, une rivière de 2 mètres et de devoir faire un tas de choses pour vous réchauffer. Tout ça va faire perdre du temps. Donc, d'anticiper ce genre de petit problème, c'est une bonne chose. Vous pouvez mettre en application dès maintenant hein, et avoir plusieurs chemins pour, dans un cas où le premier chemin, le deuxième chemin ne sont pas accessibles, voire passer par le troisième, ou carrément tous vos chemins sont inaccessibles. Et là, vous devez peut-être faire complètement à ce moment-là, complètement à l'arrache, à la dernière minute. Analyser la situation concrètement, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on pourra aller, est-ce que ça va être le bordel sur une période, est-ce qu'on peut faire un peu du bivouac, histoire de là où on est, est-ce qu'on peut faire du bivouac pour peut-être partir demain au lieu de rassemblement ou à la Sunnybag, ou à la bague, hein, la Sunnybag, ça c'est dans mon cas, ça n'a rien à voir, mais voilà, ça c'est les choses qu'il faut absolument mettre en avant. Moi, dans ma situation à moi, je suis très mal placé puisque je suis à côté d'une cité, pas très loin d'ailleurs, et des axes d'autoroute. Et ça, c'est très très mauvais en évacuation, enfin en évacuation en soi, mais c'est des points assez chauds et assez dangereux, si on veut parler clairement. Dans le sens où c'est là où alors on prend la cité où ça va péter aussi parce que faut pas faire d'amalgame mais quand il y a une cité qui fout le bordel ben c'est un sacré bordel et à côté des axes routiers ça va aussi être l'abreuvoir de plein de gens en panique et qui vont être complètement tétanisés, paniqués. Donc à ce moment-là, ça sera un vrai bordel, un vrai méli-mélo, les gens ne sauront pas quoi faire, ne sauront pas où aller, et puis en voyant les bouchons, les mecs, ils vont mettre une pile. Donc c'est pas très, très bien situé là où je suis placé, donc c'est pour ça que je suis en train de voir aussi pour pouvoir partir de la ville et aller en campagne, puisque ça c'est quelque chose que je souhaite réellement, et de pouvoir faire un mode de vie complètement différent pour moi. Pour pouvoir mettre et améliorer certaines choses que je mets en avant et que je vous explique depuis maintenant presque 2 ans, presque, pas tout à fait, encore, dans 6 mois ça fera 2 ans. Mais voilà, la stratégie d'évacuation c'est quelque chose aussi à mettre en place dès maintenant et vous devez absolument préparer aussi. Il y a plusieurs manières de le faire, tout dépend de la situation. Moi je suis seul, j'ai mon chat, déjà j'essaye aussi de comment évacuer avec mon chat, parce que je ne vais pas la laisser toute seule. Donc il y a plein de choses à mettre en place. Toutes ces choses-là ont une manière différente de l'apporter. Et il y a la situation, les enfants, tout ça, il y a plein de choses à prendre en compte. Donc réfléchissez et souvenez-vous, dans la vie, il n'y a jamais de problème, il n'y a que des solutions. Moi je vous dis à la prochaine mes amis. Ciao.